Ivana Trump a rendu son dernier souffle le 14 juillet, à 73 ans. La première épouse de Donald Trump est morte des suites de blessures au torse à son domicile new-yorkais. Ses obsèques auront lieu le 20 juillet en l'église Saint-Vincent Ferrer, à New York. Qui sera présent? Ses enfants avec Donald Trump, Donald Jr. Eric et Ivanka, seront présents. L'ancien président américain sera-t-il à leur côté? Si est-il la question que tout le monde se pose. Et sa présence induit également la présence d'un autre membre du clan Trump, son actuelle épouse, Melania Trump. En effet, si Donald Trump se déciderait à venir, l'ancienne First Lady ne devrait pas l'accompagner. La presse américaine rapporte que les relations entre les deux épouses de Donald Trump n'étaient pas au beau fixe du vivant d'Ivana. En effet, cette dernière ne ratait pas une occasion de critiquer le rôle de première dame de Melania Trump lorsqu'elle résidait à la Maison Blanche. Des piques auxquelles la Slovène avait toujours refusé de répondre. Une relation tumultueuse entre Donald et Ivana, un sentiment pas partagé par Donald Trump, avec qui le divorce avait été prononcé en 1992. Une source a confié au journal américain The New York Post que Donald Trump serait très bouleversé. Donald lui parlait régulièrement et lui envoyait des fleurs à chaque anniversaire et à d'autres occasions, rapporte encore une source. En effet, après un divorce houleux, le tandem s'était finalement réconcilié. Une chose est sûre, les caméras sont braquées sur la potentielle venue de Donald Trump aux obsèques.